Philippe Roca travaille à la Fédération d'escalade du Var. Depuis des années, il arpente ce sentier pour se rendre aux falaises de Château-Double, un lieu très apprécié des grimpeurs français et étrangers. En 35 ans, 380 voies ont été patiemment ouvertes et équipées. Mais depuis juin dernier, elles sont toutes interdites d'accès par décision municipale. Un crève-cœur pour tous les pratiquants. Il y a des clubs, des associations, des professionnels qui travaillent, qui amènent des groupes, des enfants. Enfin, il y a tout un environnement économique autour de ces falaises. Et évidemment, quand ici ça ferme, ça crée des problèmes, une onde de choc derrière par rapport à tout ça. Car Château-Double était le seul lieu pour pratiquer l'escalade en extérieur en Draceny. Résultat, les adeptes se rabattent tous ici, dans les gymnases. Allez, vas-y, continue mon grand. Ouais. Le club de Draguignan compte 150 membres de tous âges, tous très frustrés d'être privés de falaises. On refuse déjà des gens dans les cours, on refuse énormément de monde, que ce soit des enfants ou des adultes, dans les cours débutants. Et maintenant, on va peut-être devoir être amené à refuser des gens aussi dans les créneaux autonomes, parce qu'il y a trop de monde et ça devient invivable et puis pas du tout sécuritaire. Le maire de Château-Double n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Au téléphone, il indique avoir pris cet arrêté pour des raisons d'assurance. Il craint que sa commune ne soit poursuivie en cas d'accident. La Fédération d'escalade a saisi le tribunal administratif de Toulon pour obtenir justice et permettre la réouverture de ce site emblématique de l'escalade française.